Bon matin à toutes et tous. Eh bien, pour cette semaine, j'ai pris l'oracle pour avoir un message de vos défunts. Sachez avant toute chose que vos défunts souhaitent vous transmettre leur message, répondre à vos questions, mais il est impératif que vous compreniez qu'ils ne connaissent pas le futur et qu'ils sont limités dans leurs gestes. Ils ne peuvent donc faire les choses à votre place et sont incapables d'influencer votre vie et celle des autres. Il est aussi très important, lorsque vous considérez que le message ne répond pas à votre question ou que vous ne voulez pas d'une question, eh bien n'interrogez pas le défunt d'une autre façon. Laissez passer du temps et réécoutez la carte que vous avez choisie plus tard. Vous comprendrez peut-être mieux le message. Il est aussi possible, eh bien, que le défunt à qui vous posez la question ne soit pas disponible. S'il n'est pas dans la lumière, il ne peut établir une communication avec vous et est donc dans l'impossibilité de vous répondre. Alors chaque carte est au masculin, c'est pour alléger le texte, n'est-ce pas? Mais le message peut provenir tant d'un homme que d'une femme ou même d'un enfant. Il est aussi très important de ne poser qu'une question à la fois. Soyez clair et précis ou demandez tout simplement quel message tel défunt voudrait que vous receviez présentement. Votre question ne doit pas être axée sur votre vie future. Concentrez-vous en fermant les yeux et quand vous êtes prête, prêt, eh bien posez votre question, soit à voix haute ou dans votre tête, et choisissez eh bien la carte numéro 1, la 2 ou la 3. Exemple comme question, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as retrouvé des membres de la famille? Est-ce que tu es fier de moi? Est-ce que tu vois tous les efforts que je fais dans ma vie? Es-tu heureux? Heureuse? Qu'est-ce que tu aimerais me dire aujourd'hui? Etc. etc. Eh bien voilà, soyez bien à l'aise pour poser votre question. Et encore une fois, ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Eh bien voilà, je vous retrouve dans une prochaine capsule. Et puis d'ici là, eh bien, portez-vous bien et moi je vous embrasse. À très vite. Bon matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour le dernier message de nos défunts, n'est-ce pas? Nous sommes vendredi 9 août 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer la petite philosophie du matin, demander aux autres de nous juger. Faire un exercice difficile mais instructif. Demander à une personne de confiance de citer deux de nos principaux défauts. Accepter sans chercher à se justifier ou à se défendre. S'engager seulement, eh bien, à essayer de s'améliorer. Belle philosophie. Donc voilà, je vais vous laisser un instant pour que vous choisissiez la carte numéro 1, la 2 ou la 3. Soyez bien à l'aise, n'est-ce pas, pour choisir votre carte et poser éventuellement votre question tout bas ou tout haut à une personne que vous pensez, à un défunt.
et puis choisissez votre carte. Voilà, je vous laisse un instant. Bien, si vous avez choisi la carte numéro 1, période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà pour parfaire ma conscience spirituelle. Je ne vous oublie pas. Eh bien, cette carte annonce que la personne à qui vous demandez des signes ne peut pour le moment vous répondre ou vous envoyer de l'énergie, car elle est en apprentissage. Alors, quand le défunt chemine, eh bien, dans l'au-delà, son âme a besoin de comprendre et d'apprendre encore et encore, n'est-ce pas? Et cette période peut varier d'un être à l'autre. Lorsqu'il aura, eh bien, une pause, il se manifestera à vous, et cela est, si cela est nécessaire. Entre-temps, eh bien, priez pour lui, afin qu'il puisse obtenir l'énergie nécessaire à son évolution. Ce n'est pas parce qu'il évolue qu'il vous oublie, n'est-ce pas? Il tient à vous le spécifier, en tous les cas. Un être cher n'est pas disponible pour nous répondre ou pour nous aider quand nous le demandons. Eh bien, nous pouvons alors nous adresser à notre ange gardien, n'est-ce pas? Ils sont là pour nous aider aussi. N'oubliez pas que nous avons trois anges d'incarnation. Nous avons l'ange physique, l'ange émotionnel et l'ange intellectuel. Et nous pouvons encore faire appel aux archanges. Il faut comprendre qu'une âme doit continuer à cheminer dans l'au-delà. Elle n'est pas à notre service, n'est-ce pas? Donc, si vous avez besoin dans l'immédiat d'avoir un signe, eh bien, que votre défunt, voilà, il n'est pas là pour le moment pour vous parce qu'il est dans une période d'apprentissage. Donc, il ne sait pas répondre à votre question, la question que vous vous êtes posée aujourd'hui. Et puis, vous ne savez pas avoir un signe de lui, mais par contre, vous avez vos anges, n'est-ce pas? Eh bien, voilà pour le message numéro 1. Voilà, si vous avez choisi la carte numéro 2, eh bien, le message est « Fier de ma famille ». Tu sais combien la famille est importante pour moi. Alors, il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fier de ma famille. Je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc, eh bien, une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Eh bien, cette carte, elle provient assurément d'un défunt qui était peut-être une maman poule ou un papa poule lors de son passage sur terre. Un défunt qui prenait soin des autres et qui vous confirme clairement que c'est encore le cas aujourd'hui. La personnalité des individus, eh bien, ne change pas après leur décès, n'est-ce pas? Les âmes évoluent et cherchent à s'améliorer, mais ce qu'elles étaient de leur vivant continue de le représenter dans leur nouvelle dimension. De plus, n'est-ce pas, dans ce passage, l'être cher vous exprime sa fierté et sa présence auprès de sa famille. Il vous envoie, à sa manière bien sûr, de formidables énergies pour vous aider à accomplir, eh bien, votre mission ici, sur terre. En tous les cas, cette carte,
Elle vient vous dire que vous êtes choyé d'avoir cette personne qui vous accompagne dans un monde parallèle. Réalisez-le et profitez-en et dites-lui merci et souriez-lui, il vous voit. Quel beau message, n'est-ce pas? Et bien voilà pour la carte numéro 2. Voilà, si vous avez choisi la carte numéro 3, le message est « Je suis fière de toi ». Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots, je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Eh bien, cette carte indique qu'un défunt est fier de vous, vraiment, et de votre cheminement ici, sur terre. Il est conscient de tout ce que vous avez accompli, de tout ce que vous accomplissez dans votre vie. Dans son message, il vous dit aussi qu'il est heureux d'avoir partagé une partie de votre destin. Il réalise, eh bien, grâce à son cheminement spirituel, le rôle qu'il a joué dans votre vie ou l'importance de votre présence dans son existence. Eh bien, cette prise de conscience permet parfois à son âme de se rapprocher de vous et de cheminer encore pendant quelques instants à vos côtés. Alors, grâce aux énergies que vous émettez, les défunts peuvent continuer d'apprendre par vous. Nous avons toutes et tous à apprendre des gens qui traversent nos vies. Qu'ils soient là quelques minutes ou quelques années, sachez que rien, rien n'arrive par hasard. On fait des rencontres avec des personnes où ça dure un jour, où ça dure une semaine, 10 jours, un mois, un an. Et puis après, nous nous quittons parce que nous ne vibrons plus ensemble. Mais rien n'est hasard, n'est-ce pas? Eh bien voilà, c'était le dernier message. Je suis fière de toi. Donc il y a un défunt hein, qui est vraiment fier de vous et de ce que vous accomplissez, de ce que vous avez accompli et de ce que vous accomplissez encore ici, dans cette vie terrestre. Je termine avec le petit oracle des couleurs et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé émeraude. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Une belle touche pour terminer cette semaine. Je vous souhaite une excellente journée, un magnifique week-end. Et puis, portez-vous bien, prenez soin de vous en tous les cas, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et puis, soyez dans la joie, c'est important. Voilà, vos défunts vous voient et ils n'aiment pas vous voir triste, n'est-ce pas? Donc, voilà. Pensez à eux, mais dans la joie, dans une belle énergie positive. Voilà, je vous embrasse. À très vite dans une prochaine capsule.